Eh bien, salut à tous, chers amis, c'est Dean Oliveira, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour FIFA 20, la carrière RP. Aujourd'hui on a trouvé un accord, un arrangement pour le transfert de Reyes, donc qui vient de Watford pour 3 millions d'euros avec Clément Vion en plus. Donc c'est un vieux joueur, je veux dire, il a 34 ans, mais. Bon, c'est censé être un joueur juste pour être remplaçant de temps en temps, quoi, tu sais, aux côtés de Yoda. Parce que, bon, Clément Vion, il était trop peu expérimenté, malheureusement. Là, du coup, ça va faire un mentor dans l'équipe B, et ça, c'est plutôt cool. Surtout qu'il a 79 de défense. Ça vous montre à quel point il peut être quand même assez intéressant quand même, malgré le fait qu'il lui manque de la vitesse et tout ça. Seulement, Yoda, lui, il en a de la vitesse. Donc, ça devrait bien se passer. Franchement, Yoda, il a de la vitesse et du physique, ce qui compense le manque de physique et de vitesse de Reyes. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Donc, après, il nous restera le défenseur gauche à voir ce qu'on pourrait récupérer. Mais bon. Je vais peut-être chercher d'ailleurs dans le staff jeune. Si je peux hop, mettre en place un réseau de recrutement. On va le mettre en place au Japon. Japon, je crois que c'est en ailier que j'avais trouvé du. Ailier ou axé sur la défense, je me souviens plus. Je me souviens plus comment je l'avais trouvé, Fontana. Bon, dans le doute, on va mettre axé sur la défense, défenseur gauche, on va voir ce qu'on peut trouver. C'est tout. Je tiens à préciser que je rechercherai seulement que des défenseurs gauche, hein. Tout le reste, ça dégagera. Pour dire que j'abuse pas sur le centre de formation non plus. Bon, alors dans tous les cas, chers amis, on a le match contre l'OL à jouer. Et j'ai bien regardé, hein, chers amis, Young Bay et Oumar Robay. Il leur faut 3 points pour augmenter de. Bah, pour avoir les 10 points nécessaires. Pour pouvoir ensuite les mettre dans 20 matchs en tant que titulaire ou remplaçant. Donc, les 10 points, c'est fait. Enfin, ça sera vite fait. Robay, il en manque 3. Young Bay, il en manque 2. Donc, ça devrait bien se passer. Au pire, je mettrais vraiment. Je mettrais un joueur qui a besoin de défense, quoi. Enfin, je veux dire, je mettrais deux trucs à Robay ou un truc comme ça. J'en sais rien. Oh, salut, c'est Germain Toussaint. Bon, je profite de ma pause donate là pour te dire que si t'aimes la vidéo, tu peux t'abonner à la Bonjour chaîne. à tous, Voilà, très abonne-toi à mon poulain. Et puis, si t'aimes vraiment la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. Voilà. Allez, bonne vidéo, mon petit pote. Merci Germain Toussaint d'être intervenu dans la vidéo. Et donc, ouais, comme je l'ai dit pour Young Bay et Robay, j'ai deux solutions. Soit vraiment je me focalise sur leur entraînement à eux, donc je donne 3 entraînements à Robay parce qu'il lui faut 3 points, et 2 à Young Bay parce qu'il en faut 2, il lui faut que 2 points. Et dans ce cas-là. Bah voilà, ils pourront augmenter 3 points très rapidos. Donc ça pourra très vite se faire, les 3 points. Et je pense que ce serait le mieux à faire d'ailleurs. Et ensuite, je pourrais me focaliser sur l'augmentation de Langer, par exemple. Je dois augmenter qui aussi? Je dois augmenter. Je dois augmenter Young. Je dois augmenter. C'est important de savoir quoi faire quand on a le ballon, À la limite, je peux peut-être donner un entraînement à Okama également. Et je dois augmenter Ben Sebaini. Si je peux augmenter Roche, ce serait aussi bien. Mais bon, ça.
On veut augmenter plein de gens, mais il y a un moment donné, on peut pas augmenter tout le monde, malheureusement. Voilà, on a le match contre l'OL à jouer. Essaye de trouver la faille. Et ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Mais dans le tir qui contrait. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça avait but. Ah, j'ai même pas eu le temps de faire la passe là. C'est quoi ce délire? Lucas Torreira. Il cherche des solutions là. Et le ballon parti très loin. C'est dégagé. Hop là, Arias qui récupère. La surface. L'occasion de prendre l'avantage. Pow! Oh, poteau! C'est bon, c'est revenu sur moi. Oh, le premier but dans cette rencontre. C'est revenu sur moi, tant mieux. Et à un moment donné, il voulait me mettre la pression. Allez, 1-0 pour nous. Dégage. Bon, et bah... Ça commence plutôt bien tout ça. C'est facile de marquer d'aussi près, mais en fait c'est pas tant que ça. En même temps, c'est facile que tu sais que le mec est un bon buteur avec du flair. En même temps là, il y a un moment donné, premier but d'Anes Wolf en Ligue 1 cette saison-là. Anes Wolf qui a 28 ans, donc voilà, le 85 de général, il devrait le garder encore un petit peu. Par contre, je pense pas qu'il va en récupérer un ou... Enfin, il va récupérer de points supplémentaires. Hein. Ça m'étonnerait, les gars. Il récupérera rien du tout. Le Castorera. 85, c'est son maximum. Et il faut le respecter. Il perd finalement le ballon. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Il m'a fumé. Oh, hop là ça, Matsura qui est là, qui... qui est présent quoi. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, c'est récupéré. Bien joué. Bien joué, mon gars. C'est pas lui que je voulais la faire. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça profite au Lyonnais, l'arbitre fait signe, avantage. Ouais, l'arbitre qui intervient. Arbitre payé ça. De toute façon, c'est les Lyonnais, c'est forcément qu'il est payé. Et je dis pas ça parce que je suis lyonnais. Le gars qui respecte même pas une équipe qu'il aime bien. Adversaire qui s'empare de ce ballon. Ah mais moi quand je joue contre une équipe, je respecte rien ni personne. Ouais, je suis hors jeu. Hors jeu, dommage, la voie était libre mais il y avait hors jeu. Je l'avais vu le hors jeu, hein, de toute façon. Ça va être une touche. Hein? Je croyais que j'avais sauvé la touche. Ouais, il est un petit peu pris là quand même. On a bien défendu. Bon, Sargent, tu commences à me casser les noix. C'est dans le paquet. De toute façon, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Autant me laisser jouer tranquillement. Rien, ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal, donc du coup, c'est sans danger pour le gardien. Ils veulent toujours... faire du gros pressing de ouf hein. L'OL qui récupère ce ballon. Oui, il y avait un. Ils veulent faire du pressing de ouf. OK, bouge pas. Oh, ah, cette fois c'est le gardien. T'inquiète pas, je vais t'en mettre un deuxième, tu vas très vite fermer ta gueule au niveau du pressing. Le dégagement pour éloigner le danger. Laisse Ouais, centre bon. Peut-être. Je vais dire laisse sortir mais l'ouverture. Oh Matsura. Oh Matsura, dommage. C'est pour le gardien. Très belle récupération. Aïe là. Jamais de faute hein, sur mes joueurs. Oh, attention, s'il jamais. Perd ce ballon, le lancer sera en faveur des Lyonnais. Pas Mécano. Lucas Torreira. Ah mais bouge pas hein, tu veux te la jouer pressing, on va se la jouer pressing mon gars. Et si elle veut revenir au score, cette équipe doit trouver le moyen d'obliger l'équipe adverse à se découvrir un petit peu plus. Pour l'instant elle ne trouve pas de solution. Qu'est-ce qu'il va faire? Avec un tir. Bim. 2-0. Qui permet à cette équipe de compter. But de Harry Young. Qu'est-ce qu'il y a mon gars? C'est déjà plus confortable. Alors tu veux toujours te la jouer pressing? Pour s'endormir, il faut surtout pas se relâcher. Blablabla. T'es beaucoup trop près, mon gars. Bon,
voit sur ces images que la défense est quand même... C'est très bien que tu t'appelles Harry Young. Mais allez, on va quand même saluer le petit numéro 1. De but en Ligue 1. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Harry Young, je pense que je vais augmenter son apport offensif dans les entraînements. Parce que je crois qu'il a pas beaucoup en placement offensif. Ça peut augmenter un peu sa note générale, ça. En bonne position là pour centrer. Bien joué. Bien joué ça. L'arbitre la personne a en plus. 3 minutes de temps additionnel. Oh. Dommage. Mais ça arrive quand même dans mes pieds. Il porte le ballon. Il y a pas de faute. Non, on revient pas à la faute, il y a pas de carton, rien du tout. Ok, voilà, pas de soucis mon gars. Déjà 2-0 au score. Pas de soucis, pas de soucis. La prochaine fois, je me fais vraiment faucher. Je vais directement dans ses pieds. Et je me fais vraiment faucher. Pour qu'il se reçoive un petit carton rouge. Là, parce que là, vu comment il fauchait dans le dos, allez. Ça y va, hein, les tacles là-dedans, dans cette équipe. Allez, on va leur claquer le bec. Le centre. Le tir. Oh, le gardien qui est si je peux leur en mettre un troisième, je pense que là, ils vont vraiment arrêter de me faire chier au niveau du pressing. Le secret est levé, si j'ose dire. Le transfert dont on a tant parlé est devenu officiel. Ouais, quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction... Allez, comme ça, je récupère la balle. Merci, connard. En train de devenir... Voilà. J'aime traiter le monde. Alors, Julian, tu reviens sur le terrain à la place de Wolf. Le joueur qui sort sous les applaudissements de ses supporters. Oh, il faut dire qu'il a réalisé un gros match, bravo à lui. Bah, ça va là. L'anti-jeu là. Il passe en retrait pour le gardien. Putain, t'as de la chance. Le gars, il a joué à peine anti-jeu, mais bon, c'est pas grave. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Hop là. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre se plante pas avec ses panneaux. Ok, Merino. Tu me casses les noix. Comme Sargent, là. Mais bouge pas. Je pense que... Allez, peut-être l'occasion on peut t'en mettre un. On peut t'en mettre un pour le peu que je fasse quelques changements tactiques et techniques. Mais bon, je pense que je vais plutôt changer du milieu défensif, histoire d'être sûr de ne pas s'en prendre. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de son neuf. Bah, ce serait pas mal, oui. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Oh putain. Oh, le geste de tech... Attention à la frappe. Ouais, pas de soucis. Raté, c'est con, ce hein. Je vous mets le couac. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? La passe est interceptée. On cherche la faille dans la défense adverse. Bim! Allez, Marc! 3-0! Ah, il n'avait plus qu'à conclure. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Un bout portant. Tu vas continuer à me mettre de la pression ou tu t'arrêtes là? L'écart qui se creuse encore un petit peu plus dans ce match. C'est sûr que le score est lourd. Hein. Voilà, Nathalie Julian qui marque il son but. Un avantage quasi décisif. Wolf Young Julian, qu'est-ce qu'il y a? Alors que nous entrons maintenant. Pour l'instant, mon meilleur buteur c'est Young. Aïe aïe aïe. Un gars qui joue en milieu défensif, mais bon, voilà. Martinez. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Elle arrive. J'ai même pas eu le temps d'armer une passe. Rien du tout. Que pouic. Olympique Lyonnais qui progresse. Bien joué. C'est dommage que mon gardien soit meilleur. Bon, attention, c'est pas fini.
Même pas eu le temps de... Il continue, hein. Il continue à nous mettre la pression, hein, ces enfoirés. Hein. S'ils veulent se la jouer pression, on va se la jouer pression. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Choisit la frappe. Ah, dommage. Tout près de marquer un nouveau but sur cette action. Dommage. C'est ballot. Bon, après 3-0, c'est largement suffisant, hein, je veux dire, comme victoire. Hein. On sent que les supporters locaux, ils ont pris un sacré coup sur la carafe. C'est clair, Hervé, on les entend quasiment plus. Hein. Faut dire que l'adversaire a tout de suite pu imposer son rythme. Ouais, c'est bien, remplace Sargent parce que lui, il m'a saoulé. On va assister à un remplacement côté lyonnais, Pierre. Un changement qui va peut-être obliger notre équipe à s'adapter. Ah oui, la bonne passe. Ah, dommage, ouais. C'était une belle opportunité. J'étais pas en jeu. Montre-moi. Ah, je suis désolé, je suis pas hors jeu. Je ne suis pas du tout hors jeu. Eh oui. Je n'étais pas hors jeu, donc va te faire foutre. On le voit très bien sur le truc, sur le ralenti, que le défenseur en bas me couvrait le pied, donc je suis désolé, j'étais pas hors jeu. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Wesh! Hop là. Allez, l'attaque va s'arrêter. On récupère la balle. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Pas bien négocié. Ah, dommage. Pas bien négocié ce ballon. La victoire qui semble envisageable, hein, quand même, pour cette équipe. Et les supporters qui chantent de plus en plus fort pour encourager leurs joueurs. Qui libère les 3-0 dans ta gueule. C'est terminé. Olympique Lyonnais, get wrecked. Il y avait un espace, il l'a vu. Interview d'après-match. Ouais, vous avez gagné 3-0, c'est rare de nos jours. Ouais, c'est ça. Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Je suis pas disponible, mon gars, c'est juste que tu m'as cassé les couilles à m'attendre là-dedans. Dans le couloir de merde. On s'attendait à un match plus serré, vous aussi. Le mérite revient aux joueurs. C'était un beau duel. Super victoire avec ce 3-0. Êtes-vous satisfait de la performance de votre équipe? Non, t'es le gars. On a fait un très bon match, sauf le respect que nous devons à l'Olympique Lyonnais, je pense qu'on aurait pu gagner plus largement. Montero a été l'un des meilleurs joueurs chez votre adversaire. Est-ce que ça a été difficile de percer leur défense? On a joué notre jeu, on savait ce qu'on était capable de faire et on n'avait pas vraiment mis en place de plan anti-Montero. Merci Billy, ce sera tout pour moi Billy. Alors, prochain match, ce sera contre le Stade de Reims. Très bien. Mais avant, on a les entraînements qu'on va faire en off. Je vais juste, faire en sorte que les entraînements soient tous pour bail et rebail. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour augmenter les joueurs. Robaille, qu'est-ce que je pourrais lui mettre pour lui? Peut-être un truc de tir, faille. Augmenter un peu. Faille dans le mur. Je ne sais pas. Et enfin... toujours pour Robaille. J'ai quoi? J'ai ça que je pourrais augmenter. Les centres, ça sert pas à grand chose pour lui. Bon, je vais augmenter ça avec la vista en espérant que ça augmente aussi sa note. Parce que c'est vrai que Robaille, c'est assez difficile de continuer de l'augmenter vu qu'il est déjà assez énorme. Alors que Yang Bai, il y a quand même encore quelques points sur lesquels on peut bien donner des points justement.
Enfin bref, je fais les entraînements off et puis on se retrouve après l'ellipse. Bien, on est de retour, chers amis, et là, ça va être le troisième match de la Ligue 1. Alors, Mavropanos, c'est un profil qui intéresse, je ne sais même plus qui c'est. Offre de prêt pour Roche, on va pas le faire, même si c'est le FC Porto. On va pas le faire parce que bah, on a personne d'autre. Après, on aurait peut-être pu le faire et puis prendre un gars en prêt, mais bon. Encore faudrait-il qu'on sache qui prendre en prêt, bien sûr. Allez. Contre le Stade de Reims, dernier match de la semaine. On va peut-être faire un peu tourner pour ce match-là. Allez, let's go. On va voir ce que Reyes y vaut un petit peu. Permettra de regarder un peu ce que ça donne. Bon. Salut tout le monde, c'est dans des conditions. Ça me fait penser que Moriyama, il a même pas reçu d'offre de prêt. Nous allons suivre quand j'ai pas envie de le prêter, il reçoit plein d'offres de prêt. Par contre, quand j'ai envie de le prêter, il en reçoit plus aucun. Donc il y a un moment donné. Se fout de ma gueule le jeu. Il se fout vraiment de ma gueule. Bon, en même temps, il est blessé en ce moment. Donc ça me paraît aussi logique, mais bon. Évidemment, les 3 points, point barre. Cette équipe va évoluer à domicile aujourd'hui. Qu'attendez-vous d'elle, Pierre ? Avec 6 points sur 6, le champion de la saison précédente est bien évidemment au rendez-vous de ce début de championnat. Et une belle tête, Ben Sebaini. Voici la composition de l'équipe locale. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Bon, alors c'est parti pour le match. Alors là, Thuram, je l'ai remis. Public qui a répondu présent. Je l'ai remis en milieu défensif. On va bien voir. Hein. Chercher une ouverture, bien sûr. Il s'infiltre, attention. J'ai même pas réussi à m'infiltrer. Arber Zanelli. Morito Kasama. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Bien joué, Despodov. Ça sort, le ballon a été dévié. Ça sera donc un corner. Alors, le corner. Ah, il est bien parti ce corner. Ça, c'est plutôt moyennement joué. Ah non, là, pas du tout. Bête, c'est foiré. Alors le nouveau défenseur central débute aujourd'hui. Il est venu renforcer cette équipe pendant le mercato. Dommage. Il est déjà titulaire pour ce match. Tous les projecteurs vont également être braqués sur le nouveau défenseur latéral qui démarre aujourd'hui. On va assister à ses grands débuts sur son aile. Ok. Ils sont quand même offensifs, hein. Faut faire attention à eux. Et le ballon qui change. Putain, je me reçois des coups, mais laisse tomber. De mon côté, ça sifflerait direct faute. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, le tacle, superbe geste. Bien joué, Matsura. Pour l'instant, c'est eux qui mènent la danse. Hein. Ah, il est bien tiré le corner là. Et non, ça va s'arrêter là. C'est eux qui mènent la danse, mais. On sait jamais.
Ah oui, sur un contre assassin, on peut faire quelque chose. L'ouverture. Ah putain! Pourquoi il faut toujours qu'il mette 3 plombes pour faire une passe là? Dans ce putain de jeu. Eh merde! Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Allez, il continue. Ah, la contre-attaque qui se termine avec ce ballon perdu. Matsura. Thuram. Il va avoir du mal à s'en sortir, on dirait. Du mal à m'en sortir? T'es sûr? T'es sûr de ton coup là? Disponible. C'est en profondeur. T'es sûr de ton coup? Est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Juste est-ce que t'es sûr? Le gars qui s'énerve sur sur le commentateur. Bon allez, 1-0 pour nous, but de Julan. Ah c'est net Pierre, on le revoit. Ils font la différence sur une passe hein. Une passe millimétrée. Ah, ils font la différence sur une passe hein. Parfaite. Il n'y a plus qu'à battre le gardien. Waouh, une passe. Waouh. Ça tombe bien, le foot c'est un jeu collectif. Duel pour tu peux faire des passes aussi. Au lieu de remonter le terrain comme un teubé et en faisant des dribbles avec un seul joueur. Hein? Ce qu'on voit souvent et d'ailleurs en ligne. Oh putain! Mais ce coup de capoeira qu'il a fait là! Ah non, mais c'est pas du capoeira, c'est du judo, c'est vrai, c'est un japonais. Ah non, mais là, zbrab! Ah non, mais zbrablablablabla! Ah, mais c'est magnifique. C'est magnifique, ça. Attends, on va essayer de le faire vraiment au ralenti. What's bré? Bré! Eh mais là, s'il a pas une côte cassée, je comprends rien là. Oh putain, la violence! Qui est rendu au camp adverse. La violence de ce mec. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Il a rien intercepté du tout. Je cherche pas que c'est bien donné ça. Tramoni! Bon, il y est. Et le but! Voilà, le but de Tramoni! Pour le 2-0! Pour le VFC. Et ouais mon gars. J'ai déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé même si ce sera. Ouais, merci, merci. C'est bon, je t'ai fait jouer, t'es content. Le gars, il dit ça son joueur, c'est. Ouais, ouais, t'es content, t'as marqué, t'as joué, ouais. Au tableau d'affichage, ils accentuent leur avance. En mode j'en ai rien à foutre de ta gueule. Non, en vrai Tramoni le problème c'est qu'il augmente pas, c'est ça qui me fait chier en fait. C'est vraiment ça qui me fait chier, et le fait qu'il augmente pas, ben voilà, ça fait que j'ai pas forcément envie de le faire rentrer sur le terrain, tu vois. Donc bon. Puis en plus, côté gauche, je suis désolé, mais côté gauche, il sert à rien. Ouais, merde, pourquoi il l'a fait sur lui, et pas sur celui qui était en retrait, là. Essaye de trouver la faille. Cherche une solution là. Oh Tramoni. Allez Julan le doublé. Pop 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 pop. Le 3-0. Allez, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a mon gars? Qu'est-ce qu'il y a mon gars? Collectif pour ensuite aller remporter face à face avec le gardien. Bon sinon Julan on. On le vend toujours ou on le garde dans l'équipe? Non, juste pour savoir. Juste pour savoir parce que. Très très net. Eh bien, il ne leur aura suffi d'une mi-temps. 3-0 à la mi-temps, qu'est-ce qu'il y a ce match. On rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. Ah, j'ai même pas eu. J'ai même pas réussi à le récupérer. C'est pas grave. Despodov, il est bien revenu. Par contre, il est déjà pas mal crevé. Hein. Oh, la touche qui est interceptée. Ouais bah 3-0. 3-0 à la mi-temps, c'est plutôt sympa ça. Avec un très très bon gardien. Tout est beaucoup plus simple.
Bon, pour l'instant, Reyes, j'ai pas trop regardé, en fait. Donc, je sais pas s'il a fait quelque chose de lourd ou pas. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Mais, bon. À une seconde période à comme j'ai dit, pour l'instant, j'ai pas trop regardé. On verra bien sa note à la fin. Mais pour l'instant, on a vu qu'une seule équipe sur le terrain. Ouais, qu'une seule équipe sur le terrain. Excuse-moi, mais... Blablabla. Il m'a blessé Matsura en plus, enfoiré. Ouais, attention, là, il s'échappe en solitaire. Oh, il attrape le montant. Putain, d'enculé de Taras, quoi. Fait chier. Ah, pas de chance, c'est sûr, mais peut-être que ça va donner envie à cette équipe d'insister un peu plus. Faut continuer d'attaquer. Chercher une ouverture, bien sûr. Sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Bon. Espérons que ce soit pas trop grave pour lui. On va remettre Thuram en défense. Sortir. Oui, c'est clair, il ne peut plus tenir sa place. Bon bah, au moins Reyes il jouera quelques matchs. Enfin après je sais pas, hein, peut-être que c'est juste une contusion ou un truc comme ça. Hein. Ça va pas être simple, les joueurs en ont conscience de faire déjouer les pronostics. Attention à la contre-attaque. Ouais, le contre en reste. Quoi ? Et quoi ? Il y avait rien là. Il y avait absolument rien là. Pff. Oh là là là. Bon allez, rebaille. T'as pas en milieu de terrain. C'est qui j'ai fait rentrer là? Adjinginik. Ce joueur qui sort. Comment il s'appelle? Un très grand match. Hein. Certains supporters se sont même levés dans les tribunes pour saluer sa sortie. Comment qu'il s'appelle ce con? Adziametovic. Ouais, d'accord. On va coucher. Voilà, ça c'est. Ah, on va coucher dehors ça. Un ballon offert. Ouais, d'accord, ok, très. Alors, bien. Plus une rumeur, hein, désormais. Jung, tu repasseras pour les passes. Ah, on ne sait pas vraiment le montant exact de la transaction, mais je peux vous dire c'est un sacré paquet de pognon. Bon, au moins, il a récupéré la balle direct. On cherche la faille dans la défense adverse. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Ouais, j'étais en jeu. De toute façon, je n'aurais pas mis, alors aucun regret. Mais de base, j'étais hors jeu, alors. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Oui, est-ce qu'il a arrêté la balle? Ça, c'était plutôt pas mal. Par contre, la passe derrière, on repassera. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer le changement. Oh, ça c'est beau ça. Prendre l'espace. Elle est au fond. Allez, triplé de Djulan. Triplé de Djulan. C'est tout ce que j'ai à dire. Triplé de Djulan. Mais il faut que je le prenne. Aïe 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 aïe. Bon, c'est pas grave. Et là, on rajoute Arias sur le côté droit. Hein. La défense n'a toujours pas trouvé la solution contre lui. Hein. Il est en train de faire un récital. Ah, le match oh, mais alors là, je suis en train de les violer. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Allez, ça c'est pour nous. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Faut trouver dommage. L'ouverture. Ah, il est parti trop vite. Et oui, comment ça, j'étais en jeu. Hop, 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 hop. Tu me montres ça. J'étais pas en jeu. J'étais pas en jeu. Je suis désolé, j'étais pas en jeu. J'étais pas en jeu. Ah bah non, en tout cas là-dessus je suis pas hors jeu, je suis désolé. Eh oui.
Ah là là, quand un jeu est codé à la pisse avec la bite. Bon bref. Dans le vif du sujet. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Il cherche des solutions là. Ouais, lumineuse cette passe. Mais l'action n'ira pas plus loin. Dommage. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Ça aurait pu aller plus loin. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Ah, il enchaîne. Bon, Youngbay, en tout cas, il a pas été super ouf. Hein. Ouais, bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Allez, peut-être une bonne occasion. Bien sûr, t'es plus rapide qu'Arias, toi. Mauvais pied, c'est con. On aurait peut-être pu la passer aussi à Julian. Hein, mais bon. Pierre Côté et moi. Ah, Hervé, on a vu l'entraîneur consulter son staff avant de se décider. Wow. Carton ? Non, pas de carton. Jamais de carton. Jamais de carton. Il est dangereux ce coup franc, donc attention, le mur doit être bien placé, vraiment. Ouais. Ah, le coup franc qui rase le cadre. Ouais, dangereux mes couilles. Il ne redescend pas assez, du moins pas assez tôt. C'est complètement con, leur nouveau système de coup franc, là. C'est n'importe quoi, va-t'en jauger avec des gâchettes, toi. Si, Soko. Dorito Kassama. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Il essaye de trouver la faille. Oh, il était temps d'intervenir là ! Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Et la contre-attaque qui se poursuit. Oh, il a fait le plus dur. Bon, peut-être. Allez, quatrième but de Julian. Voilà. je l'ai avancé. Allez, quadruplé de Julian. C'est quand même un peu dur pour l'adversaire. Avec un beau bug. Merci le jeu. Et merci ma conscience de ne pas avoir de ne pas vous avoir écouté et de ne pas avoir de ne pas avoir vendu Julian. Parce que là sinon j'aurais gagné que 1-0, ça aurait pas été super ouf comme match. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match évidemment. Ah bah voilà, quadruplé de Julian, qu'est-ce qu'il y a? Il est toujours présent le Julian. Allez, on va récupérer la balle. Pierre, l'homme du match, on l'a sous les yeux. Ah oui. C'est le match idéal pour lui. Hein. Il a 4 tentatives, 4 buts. Allez hop. Il a été le grand artisan de cette victoire. Mais bon, il fallait que je le vende. Eh ben non, je l'ai pas vendu. De toute façon, Julian, comme je l'ai dit. Dans la vidéo RIP Julian, je ne le vendrai pas. Il terminera sa carrière chez moi. Voilà. Merci pour votre disponibilité pour répondre. Malheureusement, Matsura s'est blessé pour 3 semaines. Ah, d'accord. Rien n'est immuable dans le foot. Alors, je m'attends souvent à l'imprévisible. Malheureusement pour nous, Matsura sera indisponible pour 3 semaines, mais on a des solutions. Un excellent résultat avec un Julian irrésistible, à hauteur de 4 buts. Un mot sur sa performance. Julian est un modèle pour toute l'équipe. Il a beaucoup de talent, de l'ambition, il sait faire preuve de sérieux. Aujourd'hui, il était sur un nuage. On s'attendait à un match plus serré, vous aussi? Ça n'a pas été si difficile que ça. Faudrait peut-être commencer à nous estimer à notre juste valeur. Rien ne pouvait nous arrêter. Voilà, et ça s'est vu aujourd'hui. Merci encore. Merci, ce sera tout pour moi. Et du coup, Matsura blessé en torse du genou. Ouais. Bon, Matsura blessé, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que soit Reyes, soit Yoda le remplacera. Et pour l'instant, je pense que ce sera Reyes, hein. Parce que tout simplement, il a beaucoup plus de général que Yoda. Mais je pense que je vais donner un petit peu sa chance à Yoda, hein, vous inquiétez pas. Il aura sa chance. Bon, dans tous les cas, chers amis, on va s'arrêter là, je crois. Enfin, j'en sais rien.
Oui, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Prochaine vidéo, on aura un match contre le LOSC. Je crois que je vais devoir le jouer, je pense. Sauf si vraiment ils sont dans... Ouais, on va devoir le jouer. Donc voilà, on aura un match à jouer contre le LOSC et puis après on verra bien. Pour l'instant, on est premier grâce au but... Au but pour... On ne s'est pas pris de but hein, pour l'instant, donc c'est très bien. Pour l'instant, on est premier, on verra si on conforte notre place. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. C'était Dean Oliveira, ciao !